te faire plaisir. Attends, il y en a un là. C'est superbe. Avec le truc à Messi, t'as toujours votre temps. Magnifique, incroyable. Le logo MSI, là. Merci, je vais le mettre sur le volant de ma voiture. Ça fait Ferrari. C'est quoi comme marque de voiture? J'ai une MSI. Bon bah voilà, on va monter l'ordi. Un petit triangle. Ah oui, il faut le mettre dans le même coin, ouais. Et il doit y avoir un triangle sur la carte mère, je vais juste le trouver. Je me pète une barre s'il n'y a pas le triangle. C'est une blague, mec. En plus, le pire, c'est que contrairement à certains processeurs, tu vois, il y a certains processeurs où t'as le petit angle là qui est juste là, et puis là, c'est carré de tous les côtés. Oui. Donc tu peux pas te tromper parce qu'il y a des endroits où il manque des pins. Mais là, sur celui-là, eh ben, c'est pareil de tous les côtés. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Là, tu fais comme ça. C'est normal, ça? Oui. On va l'acheter. Merde. Heureusement, il y a pas de processeur de. Alors, maintenant, je vais expliquer à ma communauté, parce que moi, j'ai tout compris. On a tout ce truc-là, la carte RAM. Yes, carte RAM. Je recommence. La carte mère, bien sûr, avec le processeur ici, le i7. Les 4... Oh, excusez-moi, une 9, je suis con. Ouais, mais c'est comme, tu sais, dans la vidéo, j'ai dit que c'était une RTX 3080. Ouais, j'ai vu. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, bref, je savais. Alors, la carte graphique, tu l'as, ouais, tu l'as surestimé, mais elle... sûr, tu le sous-estimes. C'est ça. 16Go de RAM, malheureusement, c'est de mon ancien PC, lol. Et puis, voilà, bah là, ça va être les SSD qui vont être là, voilà. Les meilleures explications, c'est chez moi, bien sûr. Mais j'ai une meuf là, chez Darty, je crois que je vais sortir avec elle. On entretient une relation très solide. Ah, et dans l'encoche de la vis. Et là, en fait, quand tu vas visser le truc par-dessus, ça va le maintenir. Ok. Tout est fait normalement, faut que tu puisses pas te tromper. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas le bon. C'est tout. Ça, c'est comme avec les femmes. Si ça rentre pas, ça sert à rien. Ils nous fournissent des frisbees. Et ouais. On pourra jouer après. Dans le jardin. Ah mais c'est GTA 5. Ah mais c'était le jeu gratuit offert avec un carton. Quoi, il y a un jeu gratuit offert? Non. Ah. Oh, il est beau le bébé. On met le plastique. Oui. On va jeter ça. Il est tout blanc. La boîte. Tu serais pas un peu raciste? Préfère les ah oui, tu sais que j'ai pas mis l'extrait dans la vidéo alors que j'avais trop envie quand on avait fait la blague là. Ça me fait bugger. Hein. Ça c'est juste les ventilateurs. Ah, et il faut les brancher sur une alim. Sur la carte mère, t'as des trucs où il y a marqué fan. Il y a CPU fan, pump fan, ça c'est pour la... C'est les abonnés. Non, CPU fan mais et si. Pump fan, c'est... c'est le water cooling, mais t'en as d'autres qui doivent traîner. Alors, ça dépend où sur les cartes mères, mais des fois dans le coin là. Bah là, t'as système fan 1. Donc ça c'est un des deux ventilateurs qui sera là. Et normalement tu dois avoir un système fan 2 qui traîne quelque part sur la carte mère, mais faut juste le trouver. C'est pas à soulever ? Je suis un génie ou pas ? Eh ? Voilà. Je suis un génie ou pas ? T'es un génie. Voilà, je sers à quelque chose un peu. Voilà. Ah voilà. Tu te souviens ? Dans la voiture. Ah mais il y avait de la pâte thermique. Ah voilà. Oh putain. Oh thank you for your purchase. Ok, donc là tout simplement tu le poses dessus. Je vais juste bien la mettre en face ici. Les trois trous là, les trois trous hauts. Ah. En face, donc tu vas rentrer. C'est vrai, il y a trois trous au total. 6. Ah oula. Ah oui, pour le PC. Ah. Ah t'as dû parler d'autre chose. D'accord. C'était sur le bureau, ça tiendra peut-être un peu plus longtemps. Ok, tu t'es fait mal? Non. Tu peux pas l'enlever ou tu peux pas accéder par derrière. Donc du coup c'est un peu la merde. Moi je dirais plutôt que quand tu peux accéder par l'arrière, là c'est la merde. Non, ça va. Bah la plupart des boîtiers c'est ça. Celui de Camille c'est comme ça. Hein. Ah. Bah avec la colle. Mais qui va chercher de la glue dans le garage? Bah non, mais il y a la pâte thermique. Ça fait office de colle. Eh, c'est un truc de Yu-Gi-Oh ça, je reconnais. Tu sais que tu balances là, les Beyblade un peu. Là tu vois, un mec qui s'y connaît pas, il pourrait dire ah ça c'est la carte graphique. Oui. Quand je te vois ici, surtout sur cette table là, j'ai le souvenir quand tu t'es mangé la table. Ah bah là aujourd'hui je me la mangerai pas. Vas-y, remonte déjà. Attends, je vais regarder comment tu installes le water cooling en fait. Je suis trop curieux. C'est comme ça. Ok. Romeo Elvis. Ok, du coup. Ah bah bravo. Bon, on repasse sur téléphone les amis pour des raisons techniques. Pour des raisons techniques. Alors,
Voilà, donc ça avance plutôt pas mal, hein, le water cooling, après qu'il a mis son muspère, ça avance plutôt pas mal. Je comprends trois quarts de ce qu'il fait, et je réussirai, c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. Mais je réussirai à en faire même pas un tiers quand même. Et puis là, je viens de déballer l'alimentation. Et je me suis bien rasé, tu trouves pas? Mais qui change le sujet? Ah bon? Est-ce que tu veux voir ma gigabit? Oui, je veux bien. Eh bien les amis, on arrive à la gigabit. Mais tu vois la gueule du boîtier là? Enfin moi ça m'étonne, j'ai pas l'habitude de ça, tu vois, quand tu vas chez un informaticien, c'est bizarrement, il y a plein de câbles de partout, tout moche. Là y a rien. Bah là ils sont derrière. Ouais c'est vrai. Tu peux les voir les câbles de partout, tout moche, ils sont cachés derrière. Ça c'est sûr. Mais c'est tout aéré, si t'as un problème, ben t'as accès à tout ce qu'il faut quoi. C'est génial. D'ailleurs les amis, juste pour vous dire que je suis pas si nul que ça, sur mon ancien PC, j'ai moi-même changé la carte graphique tout seul comme un grand en suivant des tutos sur YouTube, c'est vrai, mais voilà, je savais pas moi. Donc là ça me rappelle un peu les souvenirs, mais c'est sûr que là, voilà. Hey, moi j'ai galéré à la mettre ma carte graphique moi, avec tout le bordel qu'il y avait, hein, les câbles et tout, de partout, aucune visibilité, tout noir. Là il fait, c'est tout blanc, tout aéré, tout clean. Non franchement c'est propre. Hein. Bravo, hein, déjà merci pour ton montage. Et pour ton expertise, parce que quand même on est parti sur quelque chose qui est quand même relativement classe quoi, pour le coup. Franchement c'est magnifique, par contre pourquoi il n'y a pas de lumière? Et franchement le boîtier il est imposant, on dirait pas avec le grand angle là, mais ça fait... Ouais on dirait pas avec le grand angle que j'ai pris mais... Bah, un boîtier normal en fait il s'arrête là. Ah oui mais... Il n'y a pas la partie là en fait. Ouais voilà c'est ça. C'est vrai en fait c'est ça? On est prêt? Vas-y attends, je vais de l'autre côté ouais. Comme ça je vois aussi ce qui se passe. Attends, j'éteins la lumière peut-être, non? Donc là, j'appuie. Vas-y. Et ça s'allume. 3, 2, 1. Et on dirait un frigo. Il va l'ouvrir et mettre des canettes dedans. Mais elles seront pas froides. C'est qui a klaxonné là? Non. C'est Darty qui vient de passer avec mon PC dans le coffre, ils m'ont nargué. Dès lors où vous verrez cette vidéo, sachez que par la suite je vais pouvoir reprendre les vidéos et les lives. Et je vous tease le premier type de contenu vidéoludique sur la chaîne, ça va être du Minecraft.